La préparation, elle s'est bien passée dans l'ensemble. On n'est pas parti en stage de préparation. Le coach l'avait fait exprès. Il préférait qu'on reste tous ici à s'entraîner, à plus connaître. On a fait un week-end cohésion. Donc franchement, non, ça s'est bien passé. Le groupe vit bien. Après, maintenant, par rapport à la vérité du terrain, là, on vient de commencer le week-end dernier contre Bourg-en-Bresse en tant que préliminaire de la Coupe de la Ligue où on a perdu. Il nous reste encore beaucoup de travail. On va dire que là, c'était un match de préparation plus. Et là, il va vite falloir, en une semaine, essayer de tout faire pour directement vendredi inverser le résultat. La défaite, elle a été assez. Elle est vraiment mal passée parce qu'on voulait quand même faire un petit bout de chemin dans cette Coupe de la Ligue. Après, voilà, là, c'est le championnat. On va dire c'est dessus que les objectifs de tous les clubs se misent le plus, je pense. Donc voilà, on veut tout de suite reprendre notre revanche. Les objectifs, de toute façon, on va prendre match après match. Après, c'est sûr qu'on veut bien commencer. On va penser à prendre les points pour le maintien le plus rapidement possible pour pouvoir se projeter après aussi le plus rapidement. On va dire que dans le championnat national, jusqu'à décembre, il faut prendre le plus de points possible. Après, dans la deuxième partie de saison, c'est là où on voit qui peut jouer quoi. Voilà. Tout se passe bien. Après, comme le coach nous l'a rappelé, c'est qu'en préparation, tout va toujours bien. Le truc, c'est de voir quand ça ira mal, comment le groupe vivra. C'est là que ça va être important. Sinon, ouais, aujourd'hui, c'est vrai que tout se passe bien, mais on verra par la suite. Mais je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire.